Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui sur Radio Roue Libre, nous ferons le focus sur la Semaine nationale des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Virginie Baudinel, je suis coordinatrice du J'aime en avant 41, association accueillant des adultes traumatisés crâniens et ou cérébro-lésés, parrainée par APF France Handicap, délégation du Loir-et-Cher et financée par l'Agence régionale de santé. Je vais être accompagnée pour l'animation de cette émission par Michèle Martinez, adhérente à la délégation du 41. Je tenais également à remercier Johan, Paul, Thomas, Suzy et Johnny pour leur aide à la technique aujourd'hui. Et d'avance, merci à tous les intervenants. Alors, pourquoi avons-nous décidé de faire une spéciale aujourd'hui en direct du Loir-et-Cher ? Eh bien, pour vous parler de notre semaine Portes ouvertes qui s'est déroulée dans les services et établissements. La motivation étant de faire connaître et découvrir tous ces lieux permettant à nos adhérents, aux aidants, aux proches et à toute autre personne désireuse de nous rencontrer, de découvrir les actions mises en place. La délégation a proposé durant la semaine, le 22, la possibilité de découvrir la délégation avec le handi droit, le bénévolat, les séjours vacances. Le 23, la délégation et le GEM itinérant se sont rendus dans le nord du département. Aujourd'hui, vous pourrez découvrir toutes nos actions sur le web avec Radio Libre. Et demain, la délégation ainsi que le GEM se rendront dans le sud du département à la rencontre de personnes étant intéressées. Merci Michèle. On accueille tout de suite notre première invitée. Bonjour Catherine. Alors, petit exercice pour commencer. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, ben, bonjour à vous. Je m'appelle Catherine Virbeloer, je suis directrice territoriale des actions associatives dans le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Et donc, comme le disait Virginie, nous sommes également parrains et gestionnaires du J'aime en avant 41, donc une belle équipe étoffée. Quelles sont les missions de la délégation dans le Loir-et-Cher ? Alors, la mission de la délégation, c'est comme toutes les délégations de France, hein, d'accueillir et d'accompagner toute personne qui se tourne vers nous dans ces questions autour du quotidien, autour du droit, autour de l'accès aux vacances, autour de besoins de liens sociaux, autour d'informations sur ce qui peut exister dans leur proximité en termes d'activités, de loisirs culturels, sportifs, de pouvoir créer des passerelles et des liens avec des associations locales, mais également d'accompagner les adhérents engagés dans leur rôle de représentation dans des commissions locales, départementales et puis régionales dans lesquelles ils défendent les droits des personnes en situation de handicap. Et donc, il est important de pouvoir donner les moyens à nos adhérents engagés de pouvoir vraiment défendre les droits des personnes dans ces instances. Et puis, également, les délégations et la nôtre, enfin voilà, en Loir-et-Cher, a ce rôle aussi de développer des projets
en fonction des besoins des adhérents, des envies, de l'engagement des adhérents et de la réalité du terrain, avec des bénévoles qui se mobilisent avec nous, mais également en lien avec les services et les structures qui peuvent être actrices sur le département, notamment dans le Loir-et-Cher. Donc le pôle établissement et services médico-social APF France Handicap qui est très actif avec nous, à nos côtés, avec lequel on développe des projets. Et puis le JAM en avant 41 également. Donc voilà, de développer des projets communs. Alors justement, vous nous parlez de projets, mais quels sont les salariés qui développent les projets dans la délégation? Quel est leur rôle? Alors, à proprement dit, dans la délégation de Loir-et-Cher, nous avons deux chargés de développement des actions associatives, Sabrina et Lara, qui sont vraiment les piliers pour... le développement de ces projets, mais qui s'entourent également de bénévoles et d'adhérents, parce que ça n'est que comme ça que les projets que nous allons développer vont avoir du sens. On a la chance dans la délégation d'avoir depuis peu une assistante de territoire qui n'est pas directement en lien avec le développement des projets, mais malgré tout qui est un soutien, voilà, ça permet d'étoffer l'équipe. Et puis depuis peu également d'un conseiller numérique qui va également nous aider à développer des projets, des réponses à des besoins de terrain de nos adhérents, mais pas que des adhérents, également des usagers du pôle ESMS et d'autres personnes qui se tourneraient vers nous, personnes en situation de handicap et qui auraient des besoins autour du numérique. Mais toujours avec une optique d'étoffer, ce sont des équipes, c'est une équipe très petite, un département qui est très étendu, rural, donc... On se doit vraiment de développer, notre objectif, c'est pas que de développer des projets, mais de le faire ensemble. Ensemble. C'est ça qui est important. La semaine porte ouverte a débuté. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour déjà sur les deux jours passés? Notamment alors, sur la possibilité de venir découvrir la délégation, c'était le 22 mars. Oui, c'est toujours un défi, hein, des portes ouvertes. On se dit que les portes sont ouvertes. Au fond, les portes d'une délégation sont ouvertes tous les jours parce qu'il n'y a pas de limite. On ne vérifie pas l'identité des personnes lorsqu'elles souhaitent accéder. Donc, on est toujours ouvert finalement. Donc, le défi des portes ouvertes, c'était de pouvoir vraiment attirer des personnes qui, spontanément, ne viennent pas vers APF France Handicap ou pas vers une délégation. La première journée de porte ouverte qui a eu lieu au sein de la délégation, donc mardi, a attiré plutôt des professionnels, d'autres associations ou structures du Blaisois qui sont venus rechercher des informations autour du handidroit ou des séjours vacances. C'est surtout ces deux volets-là qui ont attiré l'attention, on va dire, de collègues. Hier, je n'étais pas sur le terrain, mais donc l'équipe était sur le terrain et on était dans le nord du département, dans un parc. Une dizaine de personnes ont été intéressées par ce que la délégation peut apporter. En tout cas, ont été questionnées par voilà, les thématiques que nous pouvons aborder en délégation. Très bien. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Une actualité spéciale, j'ai entendu parler de journée CEP, de futurs projets. Il nous reste une minute. Alors, il y aura demain, la journée continue, donc les portes ouvertes continuent à Romorantin, Michel l'a dit. Il y a le 2 avril, une journée atelier débat autour de la sclérose en plaques. C'est quelque chose qui nous est très cher dans le Loir-et-Cher. Donc, on invite tous ceux qui sont dans le Loir-et-Cher à venir rejoindre cette journée. Donc, le 2 avril. 20, 21 et 22 mai, Agitaction, le printemps de la jeunesse nationale. Hein, APF France Handicap aura lieu à Bourges. Alors, ce n'est pas ici dans le Loir-et-Cher, mais c'est dans la région Centre-Val de Loire. Et enfin, le 11 juin... le JEM en avant 41 organise une journée autour du traumatisme crânien. Et donc là aussi, ça va être des événements qui vont s'enchaîner, riches, importants et constructifs pour nous et surtout pour les autres, surtout pour le public qui y sera convié.
Très bien. Eh bien, Catherine, on vous remercie. Merci à vous. On vous souhaite un très bon après-midi et on accueille les suivants. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Ah, on a le droit. Pauline et Robert Pascal. Robert. Robert. Juste Robert. Ok. Bonjour Magali, bonjour Pauline, bonjour Robert. Alors à vous maintenant de passer sur la sellette. Je vais vous demander de vous présenter les unes, les uns après les autres, nous parler de vos métiers respectifs. Et puis après, Robert, je prendrai un peu plus de temps avec toi en fin d'interview afin que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe pour toi au CESAD. D'accord. On fait comme ça ? Allez, c'est parti. Pauline, en avant. Moi, je suis Pauline Daubry, je suis ergothérapeute. J'interviens sur le CESAD APF et également sur le service adulte, le SAMSA. Donc, en tant qu'ergothérapeute, au sein du CESAD notamment, on intervient pour développer l'indépendance et l'autonomie des jeunes dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc, pour ça, on va intervenir sur des temps plutôt de rééducation, sur la motricité fine, la coordination, avec des activités plutôt ludiques ou manuelles. On a tout un versant aussi plutôt de la réadaptation, avec la mise en place de matériel, d'aides techniques, d'outils pour compenser un petit peu les situations de handicap. On a tout un versant aussi d'adaptation du logement aux besoins des jeunes. Et tout un versant aussi auprès des familles, des conseils et du lien avec les enseignants, les écoles et puis les autres professionnels du service. Merci. Magali, c'est à vous. Donc moi, Magali Baudusseau, je suis enseignante spécialisée sur le CESAD APF. Je suis détachée de l'éducation nationale et mise au service du CESAD APF, France Handicap. Donc ma mission, moi, c'est d'accompagner les élèves qui sont généralement scolarisés en ordinaire ou avec un dispositif, de les accompagner d'un point de vue pédagogique. Donc j'ai plusieurs lieux d'action. Je peux travailler sur le lieu de scolarisation, école, collège, lycée, CFA même, c'est éventuellement, lycée professionnel, MFR. Ça peut être à domicile, ça peut être en individuel ou au sein de la classe en co-intervention avec l'enseignant. Généralement, je démarre un accompagnement pédagogique par une observation en classe ou une observation sur le terrain, c'est-à-dire que je vais chercher des ressources auprès de la famille, auprès du jeune, et savoir un petit peu quels sont leurs besoins éducatifs particuliers. Voilà, je suis généralement appelée pour donner aussi des conseils aux enseignants, aux AESH éventuellement. Et puis, j'ai ma mission aussi, c'est d'être ressource éducation nationale et notamment au niveau des programmes auprès de mes collègues pluridisciplinaires. Voilà. Ok. Petite question, combien d'élèves, du coup, vous accompagnez ? C'est très variable parce que je vais accompagner. Le temps d'accompagnement peut être sur une année entière. Et là, je vais avoir entre une dizaine ou une douzaine de jeunes à accompagner. Et ensuite, je peux avoir des accompagnements très ponctuels. Donc, pour une observation, pour évaluer les besoins, pour des préconisations. Mais c'est un suivi très ponctuel. Ça peut être 2-3 séances, voire 4 séances uniquement. Ça peut être aussi pour évaluer la possibilité d'être orienté vers un établissement particulier. Mmh. Et ça peut être aussi une remise à niveau s'il y a une hospitalisation, quelque chose comme ça, avec un retour en classe ordinaire. Donc, de base, on va dire 10 à 12 jeunes. Et ensuite, dans le service, je fais beaucoup d'observations en classe, en fait. D'accord. Donc, ça peut être une vingtaine, 25. Et les demandes sont faites par qui, les demandes d'observation ? Ça peut être mes collègues,
Ça peut être l'enseignant, l'enseignant référent, qui est le référent du parcours scolaire entre la MDPH et l'éducation nationale. Ça peut être le jeune, hein, tout simplement, la famille aussi. Ok. Pauline, combien de jeunes accompagnez-vous au CESAD ? Alors, on a 35 jeunes sur l'ensemble du service. Et ils sont pratiquement tous suivis par les ergothérapeutes du service. Le public qu'on accueille, c'est des enfants du coup, qui ont entre 0 et 20 ans, qui présentent des situations de handicap moteur, qui vivent en Loir-et-Cher et qui sont scolarisés en milieu ordinaire avec plus ou moins des dispositifs adaptés. Alors, vous parlez d'enfants à partir de, enfin voilà, tout petit, la toute petite enfance. Est-ce que vous intervenez dans les lieux d'accueil, crèche, MAM, assistante maternelle ? C'est assez rare qu'on ait un public de la toute petite enfance parce qu'il y a un service qui prend les 0-6 ans en intervention précoce à l'hôpital de Blois. Donc on intervient souvent en relais finalement de ce service-là. D'accord. Donc actuellement on n'intervient pas, mais l'objectif c'est d'intervenir le plus tôt possible quand même. Donc à plus ou moins long terme, on tentera d'intervenir plus tôt. Très bien. Donc le CESAD, c'est un service qui répond aux demandes individuelles d'enfants et de jeunes, comme toi Robert. Pouvez-vous précisément, donc les professionnels, nous dire comment le service soutient les démarches entreprises par les jeunes, notamment vie professionnelle ou engagement futur dans la vie de tous les jours ? Donc là, ça va être par nos accompagnements pluridisciplinaires. Hein. Donc on va partir de l'élaboration d'un projet, un projet personnalisé défini par le jeune et sa famille et qu'on construit en équipe et avec la famille et donc qui va nous fixer nos axes de travail et faire intervenir les différentes professionnelles. On travaille en partenariat donc évidemment avec l'éducation nationale, avec Cap Emploi, également avec la MDPH. Il y a des groupes aussi qui sont mis en place, dont Robert a fait partie et fait partie, sur l'insertion professionnelle, des ateliers différents, de façon à proposer aux jeunes d'être autonomes et d'avancer dans leurs projets. Ok. Donc justement, quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier des services du CESAD ? Comment on doit faire les démarches ? Qui fait ces démarches ? Donc nous, on intervient uniquement sur notification de la MDPH. Donc la demande d'orientation CESAD, elle doit être faite par les familles, mais souvent ils peuvent être accompagnés par l'école ou les partenaires, les libéraux. L'école va aussi fournir un GEVASCO, donc une évaluation pour pouvoir personnaliser aussi la scolarisation. Et ensuite, on a tout un processus d'admission pour s'assurer que les demandes correspondent aussi à l'accompagnement qu'on peut proposer. À quel moment on sollicite un CESAD ? J'ai envie de dire le plus tôt possible, puisque c'est de 0 à 20 ans. Quels autres professionnels on peut trouver dans un CESAD ? Alors, on est une équipe assez riche et justement, je pense que c'est un de nos atouts. Hein. On a énormément de professions qui sont représentées. On a des psychomotriciennes, des éducatrices spécialisées, orthophonistes. On a aussi un médecin de médecine physique réadaptation, psychologue, neuropsychologue, une kiné coordinatrice. Et puis après, au niveau administratif, on a aussi une assistante administrative, une responsable de service. Une grosse équipe. Ouais. Oui. Scolarisation, école inclusive, on en parle beaucoup, mais ça signifie quoi exactement ? C'est pas un piège. Hein. Mais ça ne l'est pas du tout. Alors l'école inclusive, c'est permettre aux jeunes
de réaliser un projet, en fait. Hein. Donc, ça passe par l'inclusion scolaire, mais pas que l'inclusion scolaire. L'inclusion, c'est pas que l'inclusion scolaire. Donc, ça passe évidemment par l'inclusion scolaire. C'est permettre aux jeunes d'accéder à un milieu ordinaire en étant accompagnés. Donc là, le CESAD, en déterminant les axes de travail, permet cet accompagnement. Et puis... nous, on intervient auprès des professionnels de la scolarisation aussi pour aider à une scolarisation, une compensation, des adaptations, des supports, une aide humaine, etc., etc. Très bien. Pauline, un dernier mot ? Je pense qu'on a tout dit. On va laisser la parole à Robert. Eh ben, merci à toutes les deux. Et puis maintenant, Robert et Michel. Alors, bonjour Robert. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Robert, j'ai 18 ans et je suis scolarisé au lycée à Blois. Dans quel lycée à Blois ? À Augustin Thierry et je suis en terminale, générale. Générale, d'accord. Alors, on sait que pour s'épanouir, il faut pouvoir choisir. C'est d'ailleurs notre projet associatif, pouvoir choisir, pouvoir d'agir. Alors Robert, as-tu le sentiment de pouvoir choisir ? Moi, j'ai le sentiment de pouvoir choisir. Déjà avec le CESAD, j'ai pu faire des choix concernant mon futur professionnel. J'ai pu faire des candidatures pour l'IUM, pour d'autres établissements. Et je tiens à dire que c'est important de maintenir des établissements comme ça, des IUM ou même des IME pour d'autres handicaps, car ça nous permet en tant que jeunes de pouvoir avoir des futurs, quoi. Et aussi, j'ai l'impression d'avoir le choix concernant mes suivis, parce qu'avec le CESAD, je peux faire des demandes et je peux avoir un suivi, en fait. Et j'ai pas l'impression d'être contraint quand je suis en suivi avec les professionnels. D'accord. Donc, tu as une liberté de choix. Oui, voilà. D'accord. Et en dehors de ta scolarité, tu as des activités de loisirs ? Non. Bah, en vrai, je pense que oui, j'aimerais bien, mais cette année, je ne fais pas grand-chose. D'accord. Et sinon, donc en fait, j'allais te demander comment se sont faits tes choix, si tu as été guidé par ta famille ou par des professionnels, mais bon, tu y as répondu en partie. Oui, par moi-même et par les professionnels. Je suis suivi avec Frédéric Paget, mon éducatrice, et Magali Baudusseau, c'est mon enseignante. Celle qui a parlé tout à l'heure. Et oui, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire mes choix, quoi. Voilà. Ouais, je pense que tu as de la chance, tu as l'air d'être bien suivi par Magali. Oui. Et est-ce que tu penses que tu vas toujours devoir être accompagné pour avancer dans tes choix, dans ta vie professionnelle ? Le but, c'est de pouvoir être autonome, donc de ne plus avoir de suivi. Mais moi, je dirais que souvent, quand ça va bien, j'ai l'impression que j'ai pas besoin de suivi et c'est surtout quand ça va mal que je me rends compte que j'ai besoin de l'aide de professionnels. D'accord. Et si tu avais un message à faire passer à d'autres jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ou à des adultes, Je leur dirais que déjà pour les jeunes que c'est important de faire des suivis auxquels ils ont envie, parce qu'un suivi où c'est sous la contrainte, ça ne marchera pas beaucoup. D'accord. Et je dirais pour les professionnels qui nous écoutent, c'est important pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle, d'avoir eu des personnes qui étaient là pendant tout mon suivi. Je suis au CESAD depuis 2011 et je vais bientôt partir. Et j'ai bien aimé le fait que j'ai les mêmes professionnels depuis le début. Et c'est un service social, donc c'est des relations de confiance entre le professionnel et le jeune. Et c'est vraiment important d'avoir des professionnels qui vous suivent depuis le début. Et pour moi, ça a permis d'avoir des repères parce que j'en ai pas pu toujours en avoir, en fait. C'est bien. Et dans quelques années, on va te retrouver dans quel domaine ? C'est quoi tes projets d'avenir ? J'ai choisi de faire un BTS en commerce. C'est pour commencer par quelque part. C'est bien. Voilà, c'est quoi. Pas mal. C'est déjà d'avoir pu faire un choix. Il y a tellement de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. C'est sûr. Hein. Et je vais faire ma candidature à l'IUM de Nantes. Donc, si jamais ils nous regardent, je tiens à dire que c'est vraiment important pour moi d'être accepté dans cet établissement. Parce que je sais qu'il n'y a pas souvent assez de place pour des établissements comme l'IUM de Nantes. Et pour des jeunes comme moi, c'est vraiment important. Je joue mon avenir dessus.
Bon, bah voilà. Écoute, on te souhaite de la chance pour le meilleur. Que tu réussisses. Merci. Merci. En tout cas, tu as l'air très motivée. Ouais. On te souhaite que du bonheur. Merci. Merci à vous tous. Bon après-midi. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Robert. Et on croise vraiment les doigts pour que Nantes nous entende et fasse appel à toi. En tout cas, c'est un très beau CV, là. Merci. Merci. Bonne chance à toi. Ouais. Bonjour, je m'appelle Romane Pajon, j'ai 9 ans, je suis en CM1, je suis à l'école de Mitte-sur-Loire. J'ai une sœur, mais elle n'a pas de handicap. Mon handicap, c'est que j'ai des difficultés à la main gauche et à la jambe gauche. Pour toi, Romane, être en situation de handicap, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il y en a qui se moquent de nous. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Décoratrice d'intérieur. Quel est ton plus grand rêve? Que mon handicap disparaisse. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Qu'il y en a qui se moquent de nous, surtout. Quelle injustice vis-à-vis de ton handicap t'a le plus marqué? Y a quelqu'un qui a dit que j'avais trop de chance quand j'étais dans mon fauteuil. Quel message voudrais-tu faire passer à la société? Que même si on est différent, il n'y a pas besoin de se moquer de nous. Et si tu avais le président de la République en face de toi, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'il y ait plus d'accessibilité parce que moi, avec mon fauteuil, il y a des choses que je ne peux pas faire. On accueille maintenant Monsieur Louis, adjoint de direction. Bonjour. Bonjour. Eh bien, attention, hein, le temps est compté là cet après-midi sur Radio Roue Libre. Donc, c'est assez concentré l'après-midi. Donc, on va vous demander d'être rapide et efficace. Allez, comme tous nos invités, pouvez-vous vous présenter ainsi que le pôle 41, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Anthony Louis, adjoint à la direction du pôle SMS 41. Qui regroupe plusieurs structures médico-sociales, donc un CESAD qu'on vient d'exposer juste avant mon passage, un centre ressources 10, deux SAVS, un SAMSA et un foyer d'hébergement. Le tout réparti sur le territoire de Loir-et-Cher entre Lunet pour le foyer d'hébergement et puis une intervention départementale pour les autres structures que le pôle SMS 41 gère. Une seule et unique interrogation. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur le changement sur l'offre dans le médico-social, s'il vous plaît? Le changement, il est permanent. Donc, du coup, on est en pleine transformation de l'offre médico-sociale, l'offre de services. On est en train de passer dans les mentalités, dans la sémantique, d'une logique de place à une logique de file active. Donc, effectivement, nos structures telles qu'on les nomme encore aujourd'hui, comme un CESAD, un SAVS, un SAMSA, un foyer d'hébergement, a trop fonctionné en logique de place, chacun n'a pas sa place et chacun n'est pas toujours accompagné. Donc l'idée, c'est dans cette transformation de l'offre de service, c'est pouvoir repenser potentiellement les modes d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et surtout, je dirais le point numéro un, c'est pouvoir respecter leur choix et leurs droits, notamment dans le choix qu'elles ont de pouvoir vivre à domicile. Donc ça veut dire qu'il faut repenser les modes d'accompagnement, à la fois dans des logiques de territoire et des logiques de vie à domicile, ce qui peut être parfois compliqué sur un territoire rural comme le Loir-et-Cher. Vous parlez de places justement, combien de places actuellement pour accueillir les personnes? Actuellement sur le pôle à peu près 168 places qui représentent une file active donc de 190 à peu près à 200 personnes suivies sur l'année. Donc la file active, hein, ça correspond en fait dans nos rapports d'activité à une liste de personnes présentes au 31 décembre auxquelles on ajoute les personnes accompagnées dans l'année. Donc à peu près 200 personnes accompagnées sur 168 places. Et il y a des gens qui restent sur la touche malgré tout ça, pourquoi? Parce qu'on est encore en logique de place hein, sur le territoire départemental, en lien avec des DPH qui continuent, même si ça évolue, à orienter les
personnes vers un CESAD, vers un foyer, vers un STEMSA, sans forcément derrière décliner quels sont les besoins des personnes. On se rend compte qu'effectivement, sur un SAVS, par exemple, on accompagne des personnes autour de la dimension de l'autonomie et de la participation sociale, mais jamais la dimension de soins n'est pensée en SAVS, alors que paradoxalement, c'est un peu le jeu de la transformation et puis le prendre comme un levier. On a effectivement sur notre pôle des compétences, comme ont pu le dire Pauline juste avant moi, on a des compétences pluridisciplinaires qui sont très, 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 très riches. Donc, pourquoi pas, si une personne accompagnée en SAVS a un besoin d'un soin particulier ou autre, je pense en ergothérapie avec un psychologue, qu'elle puisse intervenir sans avoir à repasser par une logique administrative de place à la MDPH. Voilà, parce qu'actuellement, c'est on est en SAVS, on est en SAMSA. Et... Par exemple, récemment encore, on reçoit une notification SAVS dans l'attente d'un SAMSA. Alors que le besoin de soins, il est présent malgré tout dès maintenant. D'accord. Et du coup, combien de temps pour entrer dans un service pour ça dépend des services. Vous avez des structures là actuellement comme le SAMSA, on est à 2 mois entre la réception, la notification dans le service et puis les premiers accompagnements, sachant que malgré tout, on accompagne les personnes avant qu'elles soient admises officiellement dans le service avec toute une partie dans un processus de préadmission. Mais ça, c'est le temps effectivement entre le moment où on reçoit la notification et où la personne rentre dans le service. Mais combien de temps s'est passé avant pour que la personne puisse constituer un dossier, sachant que paradoxalement, des fois, les besoins sont connus depuis des années. Oui. Du coup, quel impact cette offre, ce changement, quel impact ça va avoir auprès des services ? Disons que l'impact au niveau des services, on ne va plus forcément penser demain en logique de service, mais vraiment en logique de réponse à des besoins qui sont définis. Alors, la mise en place de Séraphin PH, on est sur une réforme des nomenclatures des prestations et besoins. Donc les besoins vont se décliner en termes de santé, autonomie et participation sociale. Et donc du coup, en regard de ça, on va mettre en place des prestations qui répondent à ces besoins et aussi à ces choix de vie des personnes, notamment dans le vivre à domicile. Et donc du coup, c'est comment sur un territoire, sur un pôle, seul au niveau de notre pôle ou avec une logique de partenariat avec d'autres opérateurs, on répond aux besoins des personnes, que ce soit en termes d'autonomie, santé, participation sociale. Et par exemple, aujourd'hui, ou si une personne rentre en CESAD, elle ne peut pas aller en IME ou en IEM demain, effectivement. Si les besoins se résument à des besoins de santé et d'autonomie, participation sociale, sans forcément une dimension d'hébergement, on ira au domicile des personnes. Et du coup, comment un futur bénéficiaire est accueilli et par qui ? Le tout premier rendez-vous, comment ça se passe ? Le tout premier rendez-vous, ça dépend des structures. On a différentes commissions d'admission. Pour le foyer, par exemple, ça peut démarrer par une rencontre, une visite, en vue de faire un stage. Donc stage d'hébergement à la fois en ESAT et en foyer d'hébergement. C'est parfois compliqué à 18-19 ans de tout dérouler d'un coup. Donc là, on est en train de penser au niveau du foyer du CESAD, par exemple, à une plateforme 16-25 pour le CESAD, 18-25 pour le foyer. Et du coup, passerelle, du coup. De deux groupes de travail, on va en faire qu'un seul parce qu'effectivement, les besoins sont similaires. Et donc, on est 18 ou 16 ou 25, le besoin d'accompagnement, d'apprentissage sur la dimension hébergement, vie quotidienne et acquérir des compétences pour pouvoir vivre à domicile, ça se travaille dès le CESAD, quelque part. Ok. Cette semaine porte ouverte, les actions mises en place dans les services, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, au niveau du pôle SMS, on a fait un petit peu le choix, en regard de cette thématique, de la transformation de l'offre de services médico-social, de pouvoir inviter Jean-René Loubat, qui est un psycho-sociologue et docteur en sociologie, donc qui a pu réfléchir, aborder sur cette thématique. Donc, quoi de mieux qu'un expert pour le présenter à des équipes et des partenaires sur le territoire. Donc, on a organisé cette conférence hier à l'espace Georges Champrun à Blois. On a accueilli 71 personnes, donc 35 collaborateurs du pôle et puis 36 partenaires du territoire, puisque l'enjeu demain va être effectivement de pouvoir répondre en logique de proximité sur un territoire. Et aujourd'hui, on se rend compte, tous les opérateurs du département n'ont pas forcément toutes les compétences en leur sein. Très bien. Écoutez, mais moi, je vous laisse nous écouter. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci pour votre accueil. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on continue, voilà, avec Estelle qu'on va accueillir tranquillement. Merci beaucoup. Merci.
Salut Estelle. Bon, bah, je crois qu'on se connaît déjà un petit peu, mais maintenant, bah, tu peux te présenter pour les personnes ici présentes qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous. Je suis Laubert Estelle, adhérente de l'APF depuis, on va dire, 2000, adhérente permanente. Je suis handicapée IMC, handicap moteur de naissance, et représentant élu du conseil départemental depuis sa création. Donc moi je représente plus ce qui est accessibilité, transport, et puis aussi sensibilisation dans les écoles, et suppléante en CTS de monsieur Christophe Zucchetti. Bon, ben finalement, tu as déjà répondu à pratiquement toutes les questions que je devais te poser. Ah bon ? Mais le CAP AVD, c'est quoi exactement ? Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ? Ben, c'est une commission où l'on se réunit pour exposer certains sujets de demande au niveau départemental, quand il y a des sujets importants sur le département surtout, et aussi pour aider certains adhérents qui nous posent certaines questions au niveau des démarches administratives et pour la représentation, les représentations en commission. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne connaissent pas encore ce qu'est le CTS ? Le CTS, c'est la commission territoriale de santé. C'est le directeur de l'hôpital de Blois qui en est le directeur. Et quand on se pose sur des aménagements ou autre, c'est plutôt Christophe Zucchetti qui siège. Donc il y a un bureau aussi qui se réunit tous les mois. Et donc moi, en suppléant, je vais plutôt en commission plénière quand il ne peut pas être là. Donc on entend tout ce qui progresse dans le département. Et il y a aussi au niveau schéma départemental, il va y avoir une commission plutôt sur la santé mentale. D'accord. Qui va s'ouvrir. D'accord. Bon, et la sensible, qu'est-ce que c'est ? La sensibilisation dans les écoles, c'est on rencontre les instits, que ce soit instit maternel, primaire, collège, lycée, je l'ai pas fait, mais je pense qu'il y a aussi faculté et entreprise. Tout à fait. Quand il y a des classes qui nous demandent, on explique le handicap, notre handicap, et pour éviter que le regard des autres soit aussi mal vu. D'accord. Bon, donc si j'ai bien compris, tu es élu au CAPFD depuis 2000. Voilà. D'accord. Et puis, quels sont les projets à venir ? Et les thèmes sur lesquels on va travailler ? Je me permets, excuse-moi Michel, Estelle, tu es adhérente à APF France Handicap depuis 2000, mais pas élue au CAPFD depuis 2000. Non, depuis la création du premier. Et c'était quand ? Est-ce que tu te souviens de la date ? Je crois que c'était 2008. 8. D'accord. Excusez-moi, j'avais fait une erreur de date. J'avais mélangé. Non, mais... Oui, c'est donc, je suis revenue sur le Loir-et-Cher en 2000, puisqu'avant, j'étais plus sur l'Indre et l'Indre-et-Loire. D'accord. On est très bien dans le Loir-et-Cher. T'as bien fait. Bon, et quels sont les projets à venir et les thèmes ? Là, on a plus l'accessibilité et le transport surtout qui nous apporte beaucoup sur le Loir-et-Cher. D'accord. Bon, bah écoute Estelle, on te remercie pour cette participation à cette première émission. C'est gentil. À bientôt. Merci beaucoup.
Ils étaient une centaine cet après-midi, place du Martroi à Orléans. Les personnes en situation de handicap demandent encore et toujours une meilleure prise en compte de leur situation dans la vie de tous les jours, comme dans la campagne. À un mois du premier tour de l'élection présidentielle, ils appellent les candidats à ne pas les oublier. Nathanaël Lemaire et Pierre-Dominique Le Pen. Non accès à l'emploi. Non. C'est sous une forme revendicative et militante que le handicap s'invite dans la campagne présidentielle. À l'appel de l'association APF France Handicap, ils étaient une centaine à se retrouver avec pancartes et slogans place du Martroi à Orléans. Il faut que les candidats et les présidents écoutent ce qui nous pose encore problème aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment, ça a pas, pour moi, ça n'a pas évolué ou ça évolue très très lentement. Mais c'est important qu'ils entendent et qu'ils mettent en place un programme, des solutions, mais vraiment concrètes. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'entend que du vent ou rien du tout. On nous promet, mais il n'y a pas vraiment assez d'action ou de mise en place. Il y a eu des efforts de fait, mais pas assez pour tout ce qu'on rencontre au quotidien. En colère aussi. Accessibilité, inclusion à l'école, aide à domicile, allocation, accès aux soins, au travail, les revendications sont nombreuses, les discours politiques aussi, mais au quotidien, les changements se font attendre. La manifestation de ce jour avait pour but de rappeler que le bureau de vote est accessible et pourrait bien aider la mise en place d'une véritable politique du handicap. Les personnes que nous sommes en situation de handicap, on est aussi des citoyens, donc des citoyens qui allons voter. Donc on veut dire que on pèse aussi sur les élections et que voilà, on n'est pas forcément visible tout au long de l'année parce que, étant des personnes vulnérables, c'est parfois compliqué, mais qu'on est là quand même, qu'on fait partie intégrante de cette société et qu'il est grand temps qu'on nous entende et qu'on nous prenne en compte. La manifestation a aussi permis aux personnes en situation de handicap de toute la région de se retrouver et de partager leur expérience. Une revendication citoyenne qui, à l'avenir, peut s'étendre à d'autres populations. Poursuivons notre tour des services avec nos deux nouvelles invitées. Donc on accueille Cindy Raguin, neuropsychologue au SAMSA et CR10, et Madame Danielle Isabelle, qui est accompagnée par les services. Donc, même exercice, même punition, présentation de chacune d'entre vous. Bon, bonjour à tous. Je commence à prendre la parole, c'est un peu mal poli. J'ouvre la danse. Donc, je me présente, Cindy Raguin, neuropsychologue depuis, on va dire, presque 7 ans au SAMSA, au CR10 41. Alors, la neuropsychologie, en gros, c'est une discipline qui est assez récente. C'est une discipline qui est au carrefour en fait, entre la psychologie, la neurologie et les neurosciences. Donc en gros, nous, on va dire souvent, c'est ce que je dis aux personnes, on est un petit peu comme un contrôleur technique automobile. En fait, on va voir ce qui fonctionne bien et puis où est-ce qu'il y a des pannes. Voilà. Au niveau cognitif, parce qu'on ne fait pas tout le reste, déjà le cerveau, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Donc en gros, on va essayer de voir si la personne a une bonne attention, une bonne mémoire, une bonne capacité d'organisation. On va regarder des petites choses au niveau du langage, même si c'est une partie qu'on va laisser un peu aux orthos. Mais en tout cas, on va regarder un peu le fonctionnement global de la personne. Donc c'est vrai que quand on pense à neuropsie, on va surtout faire en priorité le bilan neuropsie, mais pas que. On va être là aussi pour proposer de la rééducation quand c'est possible. Et aussi de la réhabilitation, la remédiation cognitive. Il y a aussi des groupes qu'on peut proposer. D'ailleurs, Isabelle a eu l'occasion de participer à un de nos groupes en fin d'année, plutôt axé sur tout ce qui était habilité sociale, donc apprendre finalement à reconnaître les émotions, à bien communiquer, etc. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, la partie SAMSA, où en fait, on accompagne des adultes qui ont des troubles moteurs avec des troubles au niveau des fonctions cognitives. Donc ça peut être lié à différentes choses, que ce soit de la lésion cérébrale acquise, donc type AVC, traumatisme crânien, etc. Ou des pathologies neurodégénératives type CEP, Huntington, etc. Donc voilà. Sur la partie CR10, en gros, on rencontre des enfants et adolescents de 6 à 18 ans qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles des apprentissages, où là, on va proposer uniquement du bilan neuropsychologique. Il n'y aura pas de prise en charge, mais en tout cas, on va essayer de faire un point sur la situation du jeune pour proposer une hypothèse diagnostique et ou proposer des préconisations, des choses qui pourraient l'aider au quotidien.
Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop endormi, mais voilà le topo global. Voilà de mon côté. Alors, promis, on ne dort pas. Mais CR10, parce qu'on a tout un jargon, tous les uns et les autres, mais de quoi ça parle ? C'est quoi CR10 ? Alors, CR10, en fait, ça va. Le CR10, c'est le centre ressources 1041. C'est vraiment un dispositif qui s'intéresse aux 10. Donc, 10, ça va être les difficultés et les troubles des apprentissages, donc ce qu'on appelle communément la dyslexie, dysorthographie, la dyspraxie, il va y avoir aussi, alors même si ça ne rentre pas totalement dans les 10, mais le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur la vie du jeune au sens large. Voilà, donc il va y avoir un ensemble quand même de choses, mais voilà, nous on va surtout rencontrer des jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires. Mais forcément, comme on sait tous, ça ne va pas impacter que le scolaire, ça impactera plein d'autres choses. Mais nous, c'est notre principale porte d'entrée au niveau du CR10. Voilà. Dans ce CR10, il n'y a pas que des neuropsychologues ? Alors au CR10, du coup, il y a une neuropsy, donc coucou. Et puis, il y a une psychologue qui nous a rejoint fin 2019, Hilda Mathias Rousseau. Donc en fait, on est un petit binôme et autrement, on s'appuie aussi pas mal sur le travail de la secrétaire parce qu'on va dire c'est un peu notre filtre. Et on a également une responsable de service voilà, qui est là un peu pour chapeauter le dispositif. Donc on est vraiment une micro équipe et on espère que les choses vont se développer dans un avenir plus ou moins proche parce qu'il y a plein de besoins. Il est vieux ce CR10 ? Alors, bah, en fait, il a le même âge que moi, en tout cas, pratiquement. En tout cas, tout jeune. Non, en tout cas, il a été créé au moment où je suis arrivée, donc en 2015, le 20 avril 2015. Donc on fêtera bientôt les 7 ans du CR10. Voilà. Très bien. Eh bien, on va accueillir Isabelle Daniel. Alors, bonjour, pareil. Bonjour à tous. Eh bien, c'est à vous. Présentez-vous. Alors, moi, j'ai fait un AVC. Je suis rentrée à l'hôpital la veille du premier confinement. D'accord. Donc c'était en 2021. Et depuis, je suis restée 5 mois à l'hôpital. Et puis après, j'ai rencontré les premières personnes et j'ai fait la connaissance des gens du SAMSA qui ont la gentillesse de s'occuper de moi. Parce que ben, c'est pas facile de s'occuper d'une personne comme moi. Pourquoi c'est pas facile ? Bah parce que ce sont les seules personnes. Je peux parler, c'est bon. Ah oui. Ce oui. sont les seules personnes qui me comprennent bien, comme il faut. D'accord. Bah, elles sont prévenantes. Oui. Elles sont toujours là, toujours gentilles. Elles s'occupent de tout. Grâce à elles, quand je dis elles, s'il y a des hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et grâce à toutes ces personnes, ben là, je suis en train d'essayer d'apprendre le bus toute seule. Tout à fait. Parce que j'ai beaucoup de soucis, parce qu'avec mon côté gauche, je ne peux plus réfléchir. Parler, ça va beaucoup mieux. Mm-hmm. Donc, et puis, j'essaye d'être moins nerveuse qu'avant. D'accord. Vous prenez le temps. Oui. Tranquille. Je suis devenue une vraie pipelette depuis que j'ai eu la laisse. D'accord. Bah, écoutez, on va bien s'entendre toutes les deux. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'arrête pas de parler. Ouais. Alors, vous parliez de vos troubles. Vous disiez, mon côté gauche, il ne marche pas bien. Oui, parce que expliquez-nous. J'ai mon œil gauche qui ne voit pas mm-hmm. sur le côté. Oui. Le champ visuel est réduit. C'est comme ça qu'on il dit voit pas il voit que sur le côté. Il ne voit pas là. D'accord. OK. Voilà. Okay. Si, devant, là, il voit bien. Mais la vue sur le devant est revenue. Très bien. OK. Et puis, j'ai plus beaucoup de goût. Plus beaucoup d'odorat. D'accord. Donc, il faut que je mange lentement, que je goûte chaque bouchée. Voilà. Vous êtes seule à domicile ou vous êtes en famille ? Non, je vis... Mon mari est là pour s'occuper de tout. OK. Voilà. Bon, vous avez quand même encore un peu la main sur tout ce qu'il y a à faire, quand même. Rassurez-moi, vous ne lui avez pas tout laissé. Bah si, je suis obligée parce que je ne peux plus rien faire. Je ne comprends plus rien du tout. Oh, donner 2-3 ordres un peu, non ? Ah, je sais faire. Ah ben voilà, c'est donc pas un voyez, tout n'est pas parti, impeccable. vous parliez de goût, vous parliez de... D'odorat. Mm. Est-ce que vous participez à des ateliers ? Qu'est-ce qui est mis en place pour retrouver toutes ces facultés ? Pour l'instant, non. Ça, je fais ça à la maison. Parce d'accord. Je vais sur le marché. Mm-hmm. Et là-bas, il y a toujours des bons produits, tout ce qui est fruits... légumes, il y a tout ce qu'il faut pour trouver
essayer de retrouver tout ce que j'avais avant. D'accord. Donc là, vous faites des petites dégustations. J'ai mon mari qui me fait bien à manger. D'accord. Donc ce soir, tout chez Madame Danielle, hein, puisque son mari fait bien à manger. Si vous voulez. Quels sont vos projets, Madame Danielle ? Alors, vous disiez tout à l'heure, je me déplace en bus. Oui, avec le GEM, je vais participer pour écouter de la musique, pour faire de la musique. Et je vais demander si on peut faire quelque chose dans la danse ou dans les mouvements. Parce que j'ai toujours des problèmes avec mon côté gauche. Je suis saccadée, énervée. Donc, il faut faire... participer à plein de choses. Écoutez, vous êtes au bon endroit parce qu'à APF France Handicap, on est les spécialistes du flash mob. Donc, on va pouvoir danser. Mon seul souci, c'est qu'il faut que j'aille en bus. Oui, mais ça se travaille. Ça se travaille. Hein? On a commencé à faire ce travail. Voilà, il faut être patiente. Exactement. Il nous reste une minute, Madame Danielle. Si vous aviez un projet là dans le futur, ça serait quoi ? Je suis très, très heureuse. Donc, mes projets, c'est pas que si je vais pas bien, c'est pas grave. Enfin, si je suis toujours comme ça, c'est pas grave. Mais je suis très, très heureuse. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de continuer à être très heureuse. On vous remercie. Merci. Aussi bien vous. Merci, Cindy, pour votre témoignage. On va accueillir maintenant Magali et Monsieur Belay. Merci beaucoup. Merci. Allez, on passe aux deux invités suivants, donc Magali et Monsieur Belay Laurent. Alors Magali, j'ai pas voulu dire votre nom de famille parce que je suis sûre que je vais mal le prononcer. Donc Magali, CESF, c'est ça ? Oui. Alors c'est quoi CESF ? Parce qu'on a encore des mots qu'on connaît pas tous. Des initiales. CESF, c'est conseillère en économie sociale et familiale. Ça consiste en quoi ? Alors, sur le SAVS et je suis aussi sur le SAMSA, on accompagne les usagers sur toutes les démarches administratives liées à leur handicap, le lien avec la MDPH, la constitution des dossiers, toutes les démarches administratives qui sont liées à leur handicap, à leur vie quotidienne, la constitution aussi des dossiers vacances. On fait toutes les aides financières nécessaires pour que les personnes puissent accéder à leurs droits. Ok. Essentiellement de l'administratif ? Ou il y a aussi des choses à domicile, des ateliers, des choses comme ça mises en place ? Alors sur le SAMSA, effectivement, on s'appuie sur les autres membres de l'équipe. Du coup, sur le SAVS, effectivement, au SAVS comme au SAMSA, on va au domicile. Mais au SAVS, on intervient également sur de la coordination médicale. On intervient dans le cadre de sensibilisation aux activités socialisantes. On peut accompagner sur d'autres activités, sur tout ce qui est vie sociale. Très bien, merci. Alors, Monsieur Belay, c'est à vous. Attention, c'est le grand jour. Voilà. Ça rigole plus. Donc, vous êtes accompagné par le SAMSA, le SAVS ? Le SAVS, ok. Ok, écoutez, présentez-vous. Dites-nous un peu qui vous êtes. Voilà, approchez-vous bien du micro. Dites-nous un peu qui vous êtes. Et puis, si vous souhaitez parler de votre handicap, n'hésitez pas. Là, à 3 ans, je suis opéré du cœur. Et puis, j'ai un suivi tout le temps pendant 2 ans. Là. Mm-hmm. Et puis après, ça va se terminer.
Ils m'ont aidé beaucoup pour mes papiers. D'accord. Et puis après, ils m'ont aidé pour voir pour mon logement, pour voir comment ça se passait, pour me faire à manger, tout ça. Et puis moi, au début, je ne pouvais pas, j'ai des problèmes de vue. D'accord. Et puis maintenant, la vue est revenue un petit peu. Bon, je peux me débrouiller tout seul, faire mon ménage tout seul. D'accord. Faire à manger tout seul. Ok, très bien. Monsieur Belay, vous participez un peu à des ateliers, j'ai entendu dire. Je fais du sport, la cuisine. Oui, alors racontez-nous du sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? C'est avec les boules. Ah, comment vous? La boccia. La boccia, ouais. Voilà. Mmh. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Donc comment ça se passe, la boccia? Ça me plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Racontez-nous un petit peu. Bah, faut essayer de balancer des boules à couleur bleue ou oui. L'autre couleur de chaque côté. C'est de la pétanque un petit peu? C'est le ouais. Même principe? Ou alors on jette la boule sur le voisin? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Non, c'est pas pareil. Il y a pareil, un petit cochonnet Non, elle n'a pas de cochonnet, là. C'est des quilles ou des couleurs sur le parterre. Il faut balancer la couleur d'accord. Sur le plus près du... Enfin, c'est un peu comme le cochonnet. D'accord. Donc actuellement, c'est plus des exercices de précision voilà, avant de ça, partir ouais. En compétition. Ouais. Peut-être un jour. Oh, peut-être pas. Peut-être pas poussé. On ne sait jamais. Hein. Des fois, il ouais. Y a des gens qui se révèlent hein, comme ça sur ouais, des ateliers ouais. Sportifs. Hein. Vous faites ça avec qui, du coup? Est-ce que vous rencontrez d'autres personnes ou vous êtes tout ouais, seul bah, comme avec des, un... des gens qui viennent ici et puis on se retrouve à la quinière et puis on se réunit tous là-bas. D'accord. Donc, c'est une fois par mois, hein, voilà, ouais. Effectivement. Voilà, dans un gymnase prêté par la ville de Blois. Et puis, voilà, c'est ça, ouais. Alors, il n'y a pas que des personnes accompagnées par le SAVS. Hein, on a aussi des adhérents du GEM. On a aussi... Voilà, un peu tout le monde. Ouais. Voilà, un peu tout le monde. Ça permet de se rencontrer les uns et les autres. Et puis, vous parliez de cuisine parce que vous nous disiez, oui, maintenant, ça va mieux. Alors, j'ai retrouvé la vue, j'ai retrouvé un peu de force. Puis, j'arrive à me faire à manger tout seul. Voilà, okay. Ouais. Donc, à manger tout seul, c'est quoi? Bah, des fois, je me fais des bourguignons. Ah oui, c'est pas de la petite cuisine. Une blanquette. Une fois, j'ai fait un gratin avec du bacon et puis d'accord. Du gruyère, de la crème fraîche. Eh bien, et vous participez à un atelier cuisine aussi? Voilà, je vais y aller le mois prochain. Là. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? C'est avec qui et comment ça se passe? Bah, c'est un cuisinier qui vient dans la salle et puis il nous fait apprendre à comment le faire nous-mêmes, préparer les plats. D'accord, donc effectivement un chef vient. Voilà, et ouais. Vous alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites que regarder ou non, vous non, êtes... on est plus sûr. L'autre fois, on a fait le truc de la dinde. Oui. Coupé en morceaux et puis on l'a mis dans la surplus, dans la farine et tout ça. D'accord. Après, on va le faire cuire avec lui. D'accord, donc vous préparez le repas avec lui. Voilà, ouais. Et après, vous mangez tous ensemble? Vous ramenez chez vous? Comment ça se passe? Après, on le ramène chez nous. D'accord. Et est-ce que vous avez réessayé de faire cette recette à la maison? Ouais, une fois. Et alors? C'était aussi bon? Bah, pour moi, oui. C'est formidable. Bah, entre Madame Daniel et puis vous, ça va être super. On ne mourra pas de faim, en tout cas. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de l'intervention des professionnels à votre domicile? Comment ça se passe? Il y a des rendez-vous de prix? Il y a comment c'est... Bah là, ça va se terminer, les rendez-vous, parce que comme chez tous les papiers, ça se termine. Mm-hmm. Avec Martine Lecomte, elle me fait des papiers, c'est bon, bah, comme ça, il ne reste plus que trois mois. D'accord. Et puis après, c'est fini. D'accord. Votre accompagnement a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. Ça va faire 2 ans. Très bien. Est-ce que vous vous sentez maintenant prêt à vous jeter dans le grand bain? Ou est-ce que vous sentez qu'il y aura encore besoin un petit peu d'un professionnel? Non, pour... non, je peux me débrouiller. Bon, moi, c'est à moi de faire avec mon ordinateur que j'ai eu, mm-hmm. mon agrandisseur. Je peux regarder mon courrier maintenant. D'accord. Et si besoin, vous pourrez encore faire appel au service? Je pense pas. C'est 2 ans, normalement. C'est plus. Magali? Oui, oui, ça peut être plus... Avec une orientation SAVS, ça peut, si de nouveaux besoins étaient constatés, du coup, vous pourriez redemander effectivement l'accompagnement à SAVS.
D'accord, merci. Voilà, et ben voyez, vous avez eu la réponse à votre question. Merci beaucoup à vous deux d'être venus participer à cette première dans le Loir-et-Cher, hein, parce que Radio Roue Libre, je vous rappelle que c'est toute l'année. Radio Roue Libre s'étend, et si un sujet abordé aujourd'hui demande à être de nouveau traité, c'est avec un grand plaisir que nous préparons une émission spéciale pour y répondre. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Ça marche comme ça, c'est ça. On accueille maintenant Pascal Husseglio et Rémi Poira. Messieurs, bonjour. Le micro est à vous. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc le DR d'abord. Non, vas-y Rémi. Donc Rémi Poira, donc moi je suis responsable interrégional des actions associatives en Île-de-France et Centre-Val-de-Loire. Donc vous l'avez compris, je suis sur deux régions. Et bonjour à tous et à toutes. Pascal Husseglio, donc directeur régional APF France Handicap Centre Val-de-Loire, depuis 10 ans dans l'association, d'abord sur les actions associatives et puis maintenant en animation de ce beau collectif en région. Merci beaucoup d'être là avec nous. Donc on va essayer d'être concis parce que vous avez vu, hein, c'est intense cet après-midi. On a 10 minutes par invité. On a eu des moments forts là dernièrement, notamment la mobilisation du 9 mars. Est-ce qu'on peut revenir dessus et que vous puissiez nous faire des retours ? Il faisait beau, donc ça c'est bien. On était heureux de se retrouver ensemble et puis de rencontrer de nouvelles personnes. On était sur une belle place à Orléans et c'était avant tout un moment festif. Un moment de rencontre, un moment de discussion avec les citoyens. Et puis, il y avait quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Il y avait un mur avec plein d'affichettes. Chaque affichette reprenait un enjeu de droit à défendre, à faire avancer, une revendication. On pouvait les compléter aussi en temps réel. D'ailleurs, on m'a raconté juste tout à l'heure que ça avait duré quelques jours après la manifestation et que ça avait été très apprécié dans la ville. Donc pour un premier tour sur le 9 mars, c'était une belle manifestation. Et je crois important, parce qu'APF, c'est une association de personnes, qu'on garde cette capacité à se battre et à se mobiliser pour une société inclusive. Alors vous parlez... Pardon. Rémi, oui. Peut-être juste pour rajouter dans la lignée de Pascal... En région Centre, c'est pas forcément courant un événement où tout le monde se regroupe au même endroit. Et c'était important de souligner que tous les acteurs des territoires, des délégations étaient présents, qu'il y avait une vraie construction au niveau des élus sur des prises de parole. Donc tous les acteurs ont pu, quand je dis tous les acteurs, c'est aussi bien les membres du 28, du 37, du 41, se sont exprimés sur un thème. Donc derrière cette mobilisation, effectivement, je dirais, dans le complément de Pascal, il y a eu une mobilisation interne extrêmement riche, enrichissante, piloté à, allez, on va dire à 90%, 95% par nos élus. Mmh. Et je rejoins Pascal quand il dit qu'effectivement, on est plutôt une association de personnes. Et moi, je rajoute qu'on a des acteurs militants, des élus qui sont complètement acteurs et pas que consommateurs. Consommateurs. Voilà. Pascal, vous parliez de citoyens tout à l'heure. Mmh. Alors, est-ce que justement, dans cette manifestation, on avait essentiellement des adhérents, des bénéficiaires, des professionnels d'APF France Handicap, ou est-ce qu'on a pu rencontrer plein d'autres personnes? Il y avait des salariés aussi de nos établissements, oui, et services, des personnes qui se sentaient concernées par le sujet et qui sont venues participer. J'utilise le terme citoyen à dessein. Mais c'est important. Je crois que ce qui fonde la République et notre pays, c'est l'égalité entre tous. Et ce qui fait qu'on était dans la rue et sur la place publique, parce que c'est là que se construit la société, c'est qu'il y a un enjeu de
de citoyenneté à promouvoir l'égalité et l'inclusion. Et il y a encore du chemin à parcourir. On pourrait noter et lister les progrès, mais si on rêve d'une société où chacun puisse aller au cinéma quand il le veut, travailler s'il le veut, choisir son lieu de vie, avoir une vie amoureuse, avoir des enfants, eh bien, ça implique encore un petit nombre de transformations dans notre société, de changements de regard, de moyens, de considérations. Ça a impliqué de battre le pavé. Derrière citoyenneté, il y a l'idée qu'on est tous, pas simplement sujet de la société, mais on en est acteurs et membres. Tout à fait. Et justement, il y avait eu toute une campagne, hashtag 23 millions de voix, qui a permis aussi à bon nombre de personnes aussi sur des vidéos de parler et de dire qu'ils étaient citoyens à part entière et qu'on arrive au moment des élections et que la voix de chacun compte. Tout à fait. Et puis, vous pouvez le voir à travers les réseaux sociaux, le nombre de témoignages d'acteurs, d'adhérents, d'élus qui se sont complètement mobilisés dans toute la France pour exprimer autour d'un sujet. Ça peut être l'accessibilité universelle qui ressort beaucoup et qui font le tour du réseau, qui permettent en plus à nos acteurs principaux d'exprimer leurs difficultés et ce qu'ils souhaitent derrière. Alors, je vous invite à regarder sur les réseaux, LinkedIn, partout, sur le site de l'APF, mais vous avez énormément d'expressions là-dessus qui seront et qui circuleront à des moments extrêmement importants, c'est-à-dire il est prévu que ce soit au moment de débat, de points particuliers pour que ces 23 millions de voix puissent être entendues. Le site où vous pouvez voir ces témoignages, c'est 23 millions de voix au pluriel .org. Donc plein de vidéos. Et moi, je crois beaucoup à ces témoignages parce que on a toujours l'impression que les revendications ou les grands mots, c'est loin des histoires de vie. C'est et en réalité, c'est extrêmement proche. Et donc, entendre quelqu'un parler de son projet d'enfant, de sa difficulté à sortir de chez lui, on est de suite dans le monde réel. Et des difficultés que tout un chacun rencontre au quotidien. Très bien. Alors justement, le positionnement d'APF France Handicap quant aux revendications, quelles sont-elles? Un mot, c'est dur. j'ai toute une liste. Alors pour ceux pour la vidéo, Sabrina nous fera le timing, mais allez-y. Je crois que c'est le premier, c'est de donner les moyens aux gens de pouvoir agir. Ça renvoie à adapter la société. Il y a près de 40 ans de ça, le petit garçon que j'étais trouvait que c'était la société qui n'était pas adaptée à sa maman, mm-hmm. et pas sa maman qui était inadaptée. C'est pour ça que je me retrouve plus dans l'APF qu'ailleurs. Et j'ai 45 ans aujourd'hui et je n'ai pas changé d'avis. Et je crois qu'il y a un enjeu de transformation de notre société. En venant, j'ai franchi je ne sais combien de trottoirs. On a l'impression que c'est un détail parce que nous, on peut marcher. Mais en réalité, ce n'est pas un détail, c'est un mur. Et ce mur-là, il est énorme. Pour prendre un autre exemple, on gère dans notre association des établissements et des services. Moi, quand je rentre chez moi et que je veux manger des frites, je mange des frites. Je choisis ce que je mange et ça ne m'est pas imposé. Et c'est quelque chose qu'on essaye de construire aussi dans nos établissements. Il y a encore du chemin à faire. Mais on n'imagine pas à quel point, quand on est en situation de handicap, c'est l'environnement qui régente notre vie. Et donc, moi, je veux pour les autres la même liberté que j'ai moi. Tout à fait. On s'est fait la réflexion ce midi. On a une collègue là qui a un handicap qui va pas durer, tant mieux pour elle, mais ne serait-ce que passer sur le trottoir et d'avoir trois containers à poubelle nous empêche de passer. Donc effectivement, c'est bien compliqué. Voilà, je crois que Pascal a résumé en quelques mots l'essence même de ce plaidoyer et de notre rôle. Alors, par rapport aux auditions des candidats par le collectif Handicap, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce que je peux peut-être évoquer, c'est que ce qui en est ressorti, puisque c'était le collectif Handicap qui chapeautait ça, c'est la question de l'accessibilité universelle. J'ai l'impression que c'est beaucoup ressorti à travers les échanges et que majoritairement, chaque candidat a plutôt voulu mettre en avant qu'ils allaient œuvrer pour améliorer dans ce domaine-là. On verra à l'usage, bien entendu. L'autre sujet, c'était l'AAH.
et la déconjugalisation. Donc à peu près tous les candidats, d'après ce que j'ai entendu, étaient plutôt pour remettre en question ce que le gouvernement avait mis en place. Bien entendu, sauf notre président actuel, ceux qui le représentaient étaient plutôt sur le même versant qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire sur ce collectif handicap. Cette notion d'accessibilité universelle est bien ressortie. Voilà. Oui, le collectif handicap, hein, qui est récent, qui a 2 ans maintenant, est une association qui est fondée par toutes les grandes associations représentant les personnes au niveau national. C'est une convergence et un rapprochement, et donc qui agit au quotidien. Ce que je retiens aussi, c'est que du fait de la crise internationale, et j'ai une pensée pour l'Ukraine, et nous en sommes tous solidaires. Je pense que la paix et la démocratie doivent être défendues quel qu'en soit le prix. Ça a un dommage collatéral, c'est que le débat public de cette élection présidentielle est un peu amoindri ou atone. Ouais. Et je trouve important à la fois qu'on porte le débat, mais qu'on se projette aussi vers les élections législatives, où j'espère que le projet de société ou de gouvernement pour la France des 5 ans qui viennent sera débattu. Parce qu'on n'a pas choisi 23 millions au hasard. 12 millions de personnes sont en situation de handicap aujourd'hui en France. 11 millions sont leurs proches, d'où les 23 millions. On pourrait aussi compter toutes les personnes en perte d'autonomie. Je crois qu'un citoyen sur deux est concerné par les questions de ressources, d'accessibilité universelle. Et je crois que c'est un débat qui est attendu dans notre société. Au niveau timing, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on peut faire un rapide bilan sur le quinquennat ? Rapide bilan, je crois que tout le monde, la majorité, n'est pas satisfait. Hein. Je crois que sinon, on n'aurait pas fait cette manif le 9 mars, hein, bien entendu. Hein. Un élément à ressortir, même 2 éléments, c'est la loi Elan et la loi AH hein, sur la déconjugalisation. Je pense que ça détricote la loi de 2005, hein, comme vous le savez. Hein, ça interroge, ça interpelle. Donc, je crois qu'il y a eu aussi d'autres rapports. Je crois que c'était l'ONU, tu compléteras Pascal, mais qui posait aussi la question de l'approche par les droits. Hein. Je pense que on a répondu le 9 mars. Très bien. Pour rebondir, l'ONU reprochait à la France une approche un peu trop sanitaire et une approche un peu trop protectrice et pas par l'effectivité des droits. Et pour prendre une lecture un peu médico-sociale, tous les dispositifs qui se sont développés au cours des 3 dernières années sont des dispositifs qui réfléchissent à la continuité de parcours, donc dans une logique assez sanitaire ou soins, et la question de l'effectivité des droits, des projets personnalisés, de la participation est très présente dans les discours et moins dans les mesures. Il faudrait peut-être que ça soit l'inverse. Très bien. Eh bien, on va finir sur ces bons mots. Merci beaucoup Merci. D'avoir participé Merci, c'est à un notre plaisir. Première dans le 41. On espère qu'il y en aura plein d'autres. On vous souhaite un très bon après-midi et puis n'oubliez pas, après il y a une inauguration hein, plus tard. À tout à l'heure et Merci. À très bientôt. Au revoir. Pourquoi au Danemark, en Suisse, aux Pays-Bas, les assistants sexuels sont autorisés, voire remboursés par la sécurité sociale, alors qu'en France, le pays des libertés, nous, personnes en situation de handicap, n'avons pas le droit d'avoir une vie sexuelle, pas le droit d'avoir de la tendresse, pas le droit d'avoir de mots doux. Moi, depuis mon accident en 2011, je n'ai jamais pu vivre un moment comme cela, sauf une fois dans l'illégalité avec une prostituée. On veut que les choses changent officiellement. Je suis un citoyen à part entière, ma voix compte. On vient d'entendre Nils, justement, sur une vidéo 23 millions de voix. Nils est adhérent J'aime en avant, 41, à Blois. On accueille Papa, donc oui. Papa qui va nous parler d'un événement qui arrive très prochainement dans nos agendas. Allez, c'est à toi, le micro. Dis-nous tout. Tout à fait. En fait, j'interviens au bon moment. Donc là, c'est la partie la plus intéressante. Et non, il y a moi après. Moi aussi. Donc, très content d'être là et de pouvoir vous présenter les rencontres jeunesse.
Depuis 2015, AP France Handicap s'est engagé dans une dynamique jeunesse, donc visant à donner une place effective aux jeunes. Donc, ces rencontres, donc, initiées par la Commission nationale politique de la jeunesse, la CNPJ, donc, est organisée tous les 4 ans. Et ils ont pour objectif de mobiliser tous les acteurs sur la place des jeunes dans la société et au sein de l'association. Papa, les jeunes, c'est jusqu'à quel âge à APF France Handicap? Jusqu'à 32 ans. Bon, ben, au revoir tout le monde, bon après-midi. Et il va y avoir personne. Hein, ben, tout à fait. Si, en fait, c'est, on parle des jeunes, mais tout le monde est concerné. Ah, d'accord. Okay. Donc, à APF France Handicap, nous sommes tous jeunes. Bon, mais c'est ça que j'avais envie que tu dises. Donc voilà. Voilà. Alors ça a lieu, c'est quoi les rencontres de la jeunesse? Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer et c'est quand? Ce sera le 20, 21, 22 mai à Bourges. Et c'est un événement qui va fédérer l'ensemble des acteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, sur du temps festif avec de la revendication, avec de la projection sur l'avenir et la place des jeunes dans la société. Est-ce que beaucoup de jeunes sont concernés, APF France Handicap, sur cette action? Ils sont près de 4000 jeunes aujourd'hui à être accompagnés par les délégations. Sur le territoire national? Voilà, sur le territoire national et être accompagnés par les délégations et les établissements et les services médico-sociaux. Ok. APF France Handicap. Donc les rencontres de la jeunesse, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Donc on va pouvoir, c'est un moment pour revendiquer déjà, pour essayer de participer à ce changement-là, à changer le monde, mm-hmm. sur la place des jeunes, mais sur la place des personnes en situation de handicap, sur la place des proches aidants. Très bien. Donc c'est un grand événement en fait qui permet de réfléchir la place des personnes au sein de la société. Donc cette année, en fait, le territoire du Berry donc avait présenté sa candidature. Mm-hmm. Donc du coup, bon, c'est nous qui l'organisons. Donc les dernières rencontres ont eu lieu à Amiens en 2019. Donc et ont été une véritable réussite. Mm-hmm. Donc au regard de tout ce qui s'est produit, de tout ce qu'ils ont généré, et y a eu un impact certain sur les personnes. De quel, comment on peut mesurer cet impact justement? Comment ça se traduit? Ça se traduit de plusieurs manières. Donc déjà la participation, mm-hmm. pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, pouvoir réfléchir sur les enjeux de la société, que ce soit l'emploi, le sport, la culture, la vie familiale, affective et sexuelle. Donc toutes ces problématiques-là, en fait, seront traitées pendant ces rencontres. D'accord. Et tu nous parlais au tout début, CNPJ. C'est la Commission nationale politique de la jeunesse, donc qui, au sein de APF, en fait, réunit les jeunes qui réfléchissent tout le temps sur leur place au sein de la société et aussi au sein de l'association. Et comment on devient membre de cette CNPJ? Il y a un vote? Comment ça se passe? On est choisi par les jeunes, il y a normalement, il y a un vote normalement. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va, des ateliers, des choses mises en place, comment ça va se passer? Donc là, je vais vous parler un peu du programme. C'est ça. Donc c'est un programme qui s'affine avec 3 jours très très intéressant. Donc on va partir sur le vendredi 20 mai qui sera le lancement de l'événement. Mm-hmm. Donc avec une partie accueil à partir de 13h, donc où on aura pas mal de choses mises en place. Donc on aura aussi à 17h30 ce qu'on appelle une ouverture officielle et festive, donc présentation des enjeux, des tables rondes. Ça, c'est sur la journée du vendredi. Du vendredi, plus le lancement, en fait. Voilà, le lancement le vendredi. Mmh. Et à 19h30, on aura un dîner food truck.
Donc la journée la plus intéressante, la plus condensée peut-être, voilà, aussi en action, oui. Tout à fait, c'est la journée du samedi, avec trois espaces. Donc on aura un espace découverte participatif, donc un espace découverte contributif et puis un espace découverte avec des échanges. D'accord. Concernant le premier espace, donc on aura en fait des ateliers sur les nouvelles technologies, la santé et le bien-être, donc des défis gourmands. Il y aura aussi du sport. Mm-hmm. Donc on aura des espaces qui vont traiter de la vie affective et sexuelle. Donc on aura aussi l'école des drones. On va aussi parler de l'emploi avec l'insertion professionnelle et de l'engagement aussi. Mm-hmm. On va parler de la mission locale, on va parler de APF entreprise, etc. Et un autre espace qu'on appelle l'espace découverte contributif où on va parler de l'Europe. Donc sujet d'actualité, plus sujet politique. Tout à fait. Mm-hmm. On va parler de l'Europe, on va parler aussi des vacances et de leur financement. Et dans cet espace-là aussi, on aura des débats sur l'environnement et l'écologie. On aura aussi l'occasion de parler de notre projet associatif. Mm-hmm. Et on aura aussi pas mal de choses sur les rêves et les colères, les revendications. Okay. Donc voilà, il y aura pas mal d'espaces qui seront mis en place pour pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer. Ok, et eh ben pour finir, est-ce que tu peux nous dire, eh oui, parce que le temps est vite compté, je sais, on a plein de choses à dire, mais n'hésitez pas, hein, comme je vous disais tout à l'heure, Radio Roue Libre est là aussi pour étendre le sujet, et si vous voulez aborder un sujet qui n'aurait pas été complètement défini cet après-midi, on est là pour répondre à vos questions. Comment on s'inscrit à cette prochain événement? En fait, on va générer une plateforme d'inscription, donc là, ce sera... dans les semaines à venir, donc il y aura les inscriptions seront ouvertes. D'accord. Et je pense qu'il y aura des inscriptions au niveau régional, c'est-à-dire que chaque région va mettre en place un outil pour permettre aux personnes de s'inscrire. Très bien. Eh ben merci papa. Et puis on se retrouve au mois de mai. Bon, on se reverra avant, mais oui. Tout à fait. Les rencontres de la jeunesse, on vous rappelle, c'est les 20, 21 et 22 mai à Bourges. Merci. Merci beaucoup. Ça n'a pas rigolé, je te le dis. Magie du direct, je passe de journaliste, entre guillemets, à l'invité. Parce qu'après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'inauguration des locaux associatifs du GEM en avant, ainsi que du centre comptable mutualisé. Donc, il va falloir vite que je parte de l'autre côté de Blois. Donc, Michel, hein, c'est à toi maintenant. Alors, je vais vous présenter Maurice. Oui. Alors Maurice, raconte-nous un peu qui tu es. Alors je suis Maurice Pajon, j'habite à la chaussée Saint-Victor, j'ai 74 ans et à 71 ans, j'ai été atteint d'un AVC qui m'a paralysé tout le côté gauche. Donc il m'en reste encore quelques séquelles puisque j'ai un bras qui est handicapé. Voilà, mais je suis toujours en kiné, en orthophonie également.
D'accord. Donc, suite à cet AVC, tu as décidé de devenir adhérent du GEM. Oui. C'est ça. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais le hasard fait bien les choses parfois. Oui. Souvent même. Tu vois. En faisant un gâteau. Qu'on nous... En faisant un gâteau. Oui. Ah, ben dis donc. À la Roselière. Ah. Avec le service ergothérapeute. On avait des gâteaux à faire parce qu'il y avait une association qui venait et qu'on m'a appelé le GEM 41. Alors je dis, expliquez-moi ce qu'est le GEM 41. Groupe d'entraide mutuelle du Loir-et-Cher. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Groupe entraide Loir-et-Cher. D'accord. Et tu fais quoi au sein du groupe d'entraide mutuelle du Loir-et-Cher? Différentes choses. Je participe aux déplacements itinérants pour retrouver des adhérents sur Vendôme, Romorantin, pas encore, mais peut-être bientôt. Voilà. Bon, tu fais pas que ça, Maurice. Ouais, sinon, on anime un peu le quartier. T'animes un peu le quartier. Oui. T'es un peu le clown, hein, où j'aime. Oh, le clown, non, mais j'essaye un petit peu de me vider la tête, puisque je participe dans beaucoup d'associations, et du fait que j'ai le bras handicapé, je ne peux plus conduire. Oh oui, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera tous ensemble. Ah, c'est pas un autre sujet. C'est pas le moment, Maurice. C'est pas le moment de parler de ça, on est sur le GEM, Maurice. Donc au GEM, voilà, on parle d'autre chose. C'est ça, on parle d'autre chose, on en parlera tout à l'heure en voiture. Qu'est-ce que tu préfères au GEM comme activité? Ah, la boccia, comme un monsieur qui en a parlé tout à l'heure. Bah, ça a l'air super. On va à la boccia tous les vendredis, sauf... un vendredi demain. Par mois. Oui. Ouais. Pour aller aux Jeux Olympiques à Paris en 24. C'est D'accord. ça. Voilà. Non, mais et regardez bien, je rigole pas. Bon, ben on regardera. Surtout que je viens de m'inscrire pour être bénévole aux Jeux Olympiques 24. Ah, je croyais que c'était pour être bénévole au GEM, alors je ne comprenais pas. Ah, ben ça n'empêche pas. On peut être adhérent et bénévole au GEM. Oui. Oui. Bah, comme à l'APF d'ailleurs, dont Exactement. Je fais partie. Exactement. Bon, et c'est tout ce qui te plaît, ou j'aime que la boccia. Ah ben non, on est reçu par d'agréables animatrices. Ah. On fait différents jeux, des jeux de société ou... Et puis Maurice, alors là, il le sait que depuis hier, mais il va devenir référent belote. Au GEM, avec un autre collègue qui s'appelle Serge, parce que c'est les rois de la belote, donc autant qu'il motive tout le monde. Oui, avec Serge. D'accord. Voilà. Non, puis j'ai une autre corde à Monarque. Oula. Je fais du cinéma. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous n'êtes pas allé voir Ne m'oublie pas, le film qui est passé la semaine dernière au Cap Ciné, c'est sur la maladie d'Alzheimer. Et puis, t'as joué dans d'autres films, Maurice? Oui, après, bon, j'en ai fait une douzaine. Ah bah, parle-nous de ta carrière d'acteur, quand même. J'ai tourné dans le Grand Maulne, tourné dans le Loir-et-Cher. Quel rôle tu avais? Ah, je faisais le curé. Voilà. J'ai pas une tête de curé, les gars, ils rigolent. Quand on connaît un peu Maurice, c'est vrai que bon, voilà, on peut rire. Et les bonnes sœurs, elles devaient être belles. Hein. Toi qui trouves toutes les femmes belles. Quel autre rôle t'as pu jouer? Dans quel film, Maurice? Oh, j'ai joué à Guillaume Canet, j'ai joué à... avec Charles Berling. Ah, quand même, oui. L'abolition de la peine de mort. Ah oui, mais on a des stars hein, dans le Loir-et-Cher. Dommage, oui, oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis, en gros, voilà. Hein. Bon, c'est tout. Une belle carrière. Oui. Une belle carrière. Je suis un peu déçu parce que... Parce que quoi? Je peux pas faire tout ce que je veux. Ah bah, oui. Bah, oui. T'en oui. fais déjà pas mal. Hein. Ah bah non, j'en fais plus rien. Non mais tu te rends compte, si t'étais pas au GEM, qu'est-ce que tu ferais toute la journée chez toi à attendre que le temps passe? Ah bah j'irais à la pêche. Ah bon? Eh bah voilà, activité pêche, prochainement au GEM. Ouais, mais bon, tu rencontres pas des bananes oui, à la pêche. Oui, tu me vois pas à la pêche, toi, je vois bien. Bah oui. Ok. Eh ben, bon, bah c'est bon. À moi maintenant? Oui, à toi. Allez. Bon, ben voilà, moi j'ai été contente d'animer cette première émission Radio Roue Libre. Donc merci encore une fois à tous les techniciens
à tous les intervenants, à tous ceux qui ont participé, qui nous ont aidés à monter cette émission. Alors, on ne la voit pas, elle est hors champ, mais il y a Sabrina, là, qui est dans un coin. Sabrina Cunha, collègue qui m'a aidée quand même à monter toute cette émission, à monter ce très beau projet. Donc, bravo et merci. Dommage qu'elle ne sache pas faire du ski. Donc, bah, effectivement, moi, j'attends qu'une chose, c'est que Radio Roulis puisse s'étendre, qu'on puisse avoir encore plein d'animations autour de ce beau sujet qu'est la radio, parce que vraiment, c'est un réel lien entre chaque personne et ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire partager, comme sur le disait Maurice. Sur différents sujets. Oui. Voilà, sur différents sujets. Et puis, inviter des... Mais toi, tu vas nous faire connaître Guillaume Canet, Charles Berling, tout ça, la prochaine fois. Non, non, mais moi, j'habite le pays de ma ministre. Ah, bon, bah, écoute, ça, moi, je n'ai pas suivi. Ah, pardon. OK. Bon, bah, écoutez, moi, avant de partir, je veux vous parler un petit peu du GEM itinérant et du GEM en avant. Donc, le GEM en avant, c'est un groupe d'entraide mutuelle, comme le disait Maurice. Il a été créé en 2011 à l'initiative de quelques adhérents d'APF France Handicap qui se sont constitués en association et qui avaient vraiment besoin de faire reconnaître leur handicap, qui est ce qu'on appelle le handicap invisible pour certains. On accueille donc des personnes adultes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées. On les accueille du mardi au vendredi de 9h à 17h, mais on peut aussi faire de l'accueil en soirée, parce que comme je dis, ça peut être en soirée, ça peut être le week-end. Comme je dis, le handicap ne s'arrête pas à 17h, donc on en parlait tout à l'heure avec Pascal, quand lui il a envie de se faire des frites, eh ben, il se fait des frites. Eh ben, certains adhérents, quand ils ont envie de sortir, eh ben, oui, des fois, on est coincé à la maison, donc nous, le GEM en avant 41, on est là aussi, pour les accompagner dans les sorties. Je voulais tirer un petit coup de chapeau aussi à ma nouvelle collègue Emmanuelle, qui doit nous écouter derrière, qui est blessée et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Bonjour voilà. Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle. Donc voilà, le GEM en avant, c'est vraiment trois grands objectifs. L'aide, l'entraide, la rupture de l'isolement. C'est une belle association qui regroupe actuellement 25 adhérents. Donc, comme le disait Maurice, on a notre local qui est situé à Blois, dans le quartier plutôt sud de Blois, de l'autre côté de la Loire. En Vienne. Mais depuis un an, on a monté un nouveau projet qui s'appelle le GEM itinérant. Et avec l'aide d'adhérents référents comme Maurice, on parcourt les routes du département au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour aller rencontrer des personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées, qui sont pour certaines très très isolées, et pour qui la mobilité est très compliquée, et venir jusqu'à Blois, pour certains, c'est carrément mission impossible. Comme toute association, le GEM est composé d'un conseil d'administration, d'un bureau, dont les adhérents sont membres. Ils sont élus pour 3 ans, donc on travaille avec les adhérents, alors on travaille... C'est un grand mot, hein. Voilà, on est là aussi. Notre travail, c'est de faire de l'animation. Et on travaille sur différents projets, notamment des séjours, du sport. Alors, on ne fait pas que de la boccia. On se déplace également à la Roselière. On se déplace à la Roselière pour retrouver des adhérents. Voilà, alors, et pas que, mais aussi pour donner, je dirais, quelques heures de bonheur à des personnes qui sont hospitalisées et qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir leur famille près d'eux. On fait de la cuisine, on fait ce qu'on appelle des cafés philo qui ont lieu une fois par mois où on débat d'un sujet. Le prochain, c'est peut-on vraiment tout pardonner ? Vaste sujet. On prépare les assemblées générales. Enfin voilà, on a plein de projets dans nos tiroirs. Et notamment notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le 24 juin. Et puis, comme l'a dit Catherine en introduction, la prochaine journée, la deuxième journée sur le traumatisme crânien et la lésion cérébrale en centre Val-de-Loire, qui se tiendra donc le 11 juin, salle d'Orgelès à Blois.
Donc, on espère avoir beaucoup de public avec nous pour venir partager des témoignages d'adhérents, des ateliers autour de la sophrologie, de l'aide avec des personnes des services, SAVS, SAMSA, des rencontres avec des psys, des neuropsys, etc. Donc, si vous souhaitez nous contacter, je vous laisse le numéro, le 02 54 58 88 43. 02 54 58 88 43. Et puis n'hésitez pas, si vous entendez autour de vous quelqu'un qui est isolé, qui est traumatisé crânien ou cérébro-lésé, donnez-lui nos coordonnées et nous l'accueillerons avec plaisir. En tout cas, je vous remercie encore tous et toutes d'avoir participé à cet après-midi. Michel. Eh bien, moi de même, c'était ma première dans ce domaine. Et ben, ça a été un plaisir. Peut-être que je renouvellerai l'opération. À bientôt. Quelques mots encore, peut-être, Sabrina, avant qu'on se quitte. Tu veux nous dire quelques mots? On va se déplacer tranquillement. Alors, on ne la voit pas, mais on va l'entendre. Merci Virginie, merci Michel. C'est bon, Paul ? Merci. Je voulais refaire un écho pendant que Clara va chercher Catherine qui va terminer l'émission. Je voulais qu'on puisse revenir un peu sur notre journée atelier débat CEP, Michel, toutes les deux, qui va se dérouler le 2 avril prochain. Donc la délégation est comme le disait tout à l'heure Catherine, la sclérose en plaques est très chère à notre délégation. Depuis plus de 14 ans, un groupe d'échange existe au sein de la délégation. Donc on parle de pères à émulation à l'APF, de cordées en santé, de repères aidants. Je pense que le groupe CEP, c'en est vraiment un bel exemple. Donc depuis 14 ans, des adhérents se réunissent pour construire des actions autour de la sclérose en plaques. Depuis 2012, on organise une journée atelier débat. Et depuis 3 ans, la région Centre-Val de Loire reçoit les écoles de la CEP. Samedi prochain, Michel, est-ce que tu peux revenir sur le programme ? Ben, je ne l'ai pas sous les yeux. Et après, on laissera Catherine terminer l'émission. Alors, le programme de la journée qui va se dérouler au Novotel de Blois. Donc, à partir de 9h30, va démarrer l'introduction de la journée. Et après, à partir de 10h, seront proposés 5 ateliers. Alors, les ateliers qui sont d'une durée de 45 minutes, il y aura un atelier droit et les questions socio-professionnelles. Un atelier sur la CEP au quotidien et les symptômes invisibles. Un atelier trucs et astuces en ergothérapie. Le bien-être dans la CEP, l'image de soi en fait. Et la sexualité et la CEP. Ensuite, il y aura un déjeuner en commun à 12h. Et à 13h30, reprise des ateliers, puisque à chaque fois, en fonction du nombre de personnes, il n'y aura qu'un certain nombre qui participera à chaque atelier. Et pour terminer, il y aura une plénière pour la culture de la journée. Voilà. Et donc, tout au long de la journée, il y aura également un cafeté des proches, avec des petits massages de dos et des mains, un accueil cafeté, un point d'information et des échanges et partages entre les personnes présentes. Donc, si vous connaissez des personnes ou si vous-même êtes touché par cette pathologie, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la délégation APF France Handicap au 02 54 43 04 05 et demander Sabrina Cuna. Voilà, on espère vous voir nombreux, car c'est une journée qui peut apporter beaucoup d'aide aux personnes touchées par cette pathologie. Merci. Donc, je passe la parole maintenant pour la clôture de cette journée à Catherine, la directrice de Territoire 3741.
Alors, me revoilà. Donc, c'est vrai que là, je viens un peu comme un cheveu sur la soupe. Non pas que je n'ai pas été prévenue, bien évidemment, que j'étais bien au fait de clôturer la journée. Mais entre deux, je suis passée aussi par une réunion. Donc, voilà, j'essaye de clôturer dans les meilleures conditions possibles. Notamment, il me semble que pour ce qui est des actions à venir dans le Loir-et-Cher, vous avez été informé, donc la journée du 2 avril qui vient d'être décrite, le printemps de la jeunesse à Bourges, 21 et 22 mai, auxquels tous les jeunes de toute la France sont invités. Je vous invite vraiment à vous tourner vers les délégations de votre département pour éventuellement vous y inscrire. Et puis une journée autour du traumatisme crânien qui arrivera donc le 11 juin sur notre département. Mais pour clôturer, au-delà de ces dates, je voulais surtout remercier tous les intervenants de cet après-midi qui ont été nombreux. J'espère que ça vous a été ça a été riche pour vous de les écouter, d'entendre tout ce qu'ils avaient à dire. Et puis de remercier l'équipe d'Île-de-France qui s'est déplacée pour le soutien technique et puis méthodologique. On n'est pas vraiment aguerri dans l'animation de ce genre d'après-midi. Donc merci pour la technique et tous vos conseils. Merci aussi aux collègues du 28-45 qui se sont déplacés là plus dans un apprentissage parce que c'est important et qu'on espère pouvoir faire pareil dans quelques semaines ou dans quelques mois et de manière autonome. Donc merci d'avoir été là. Et puis merci à l'équipe du Loir-et-Cher, à Sabrina, Virginie, Lara, Michel qui est là, je vois encore Estelle qui est pas loin et toutes les personnes, Viviane aussi qui est cachée derrière une colonne, enfin bref, j'en oublie certainement, mais enfin toute l'équipe du Loir-et-Cher qui depuis quelques semaines déjà travaille à ce projet important et j'espère qu'il a été à la hauteur de ce qu'on attendait, de ce qu'elles attendaient toutes. Voilà, et puis je vous souhaite une belle période printanière. Le printemps est là et ça va nous permettre de sortir, de se retrouver. Donc à bientôt, tout le monde et chacun. Au revoir.